Salut les fous, j'espère que ça va bien. Petite capsule en solo aujourd'hui. J'ai reçu une boîte, un colis qui continue un peu ma dernière folie. Si vous avez écouté mes capsules précédentes, vous savez, vous risquez de savoir qu'est-ce qui s'en vient. J'ai reçu un gros colis. J'ai vu le lot sur Marketplace. J'ai pas pu m'en empêcher. Il était en Ontario. Je me le suis fait livrer. On va regarder ensemble qu'est-ce que j'ai trouvé dans ma boîte. Premièrement, c'est bien emballé, yes sir. Puis j'avais la Beast Wars Mania, la Spider Mania, la Mighty Max Mania, et maintenant c'est la Simpson Mania, toujours, toujours et toujours et toujours. Donc on va commencer par le premier. J'ai un petit Krusty le clown, joué par Marc Labrèche. Ensuite, celui-là, c'est pas un Playmate, mais il est vraiment cool. C'est quoi que c'est un jouet de McDo ou Burger King? C'est Burger King. Et j'ai nommé le Comic Book Guy. Ensuite, oh, ça c'est cool. J'ai une des petites jumelles. Ce qui est cool de ce lot-là, c'est que j'ai les figurines, mais j'ai leurs accessoires aussi. Fait que ça rajoute un petit ouf. Là, j'ai un. Oh, avec ses lunettes, c'est long, ben cool. J'ai. Attendez, laissez-moi mettre ses lunettes. Espérant qu'ils tiennent. J'ai Ned Flanders, Stylidi le voisin. Puis il vient avec un chapeau. C'est long, mais hot. Parce que le chapeau, il y a de la misère à tenir. Avec son petit chapeau de scout. Puis ça vient aussi avec un espèce de petit fusil. Je sais pas ce que c'est. Des accessoires, un canif. Puis voilà. Donc, tous ces accessoires, je suis bien content de l'avoir. Ensuite. Ça, c'est cool. Je l'avais, mais là, je l'ai complet. J'ai le grand-père. J'ai une autre version de Marge Simpson avec Maggie et tous ses accessoires. Fait que j'ai son livre Good Book, une petite sacoche, puis j'ai un petit C'est un petit chapeau. Son petit chapeau chill de journée, de soirée. J'ai le petit rhino nez rouge. Ah, c'est long, mais cool, ça. J'ai le genre d'ex-militaire, là, qui s'est fait couper son bras. Vraiment la shape à Homer. Là, depuis mes deux lots des Simpsons, je suis rendu avec un méga lot. J'en ai assez pour faire mon Springfield. Il va me falloir des dioramas. Un classique. Sideshow Bob en soupe de prisonnier. Avec le fameux râteau. Ce gag ne. On se tanne jamais de ce bon gag du râteau. Ah, c'est vraiment cool. J'ai un autre petit perso que j'avais. Mais là, je l'ai complet. Fait que je vais pouvoir flipper les deux ou trois que j'ai en double, tu sais. Fait que ça va amortir mon coût de mon lot. Oh yes! C'est donc ben cool. Pour vrai, le lot est vraiment malade. Je suis vraiment content. Puis, je l'ai pas payé tant cher. Fait que ça vaut la peine parce que souvent, les figurines lousses, je les vois lousses à comme 30$. Disco Stew va vous montrer comment enfanter vos mères.
Donc voilà, Disco Stew avec une boule de disco, un record, un petit vinyle, c'est malade. Ensuite, j'ai... Ah, c'est long, mais cool. J'ai un classique Lisa Simpson qui vient avec un petit lapin, un petit chapeau là pour... Donc, avec ses petits accessoires. J'ai un autre personnage que j'avais, mais là, il est complet. Fait qu'il y en avait trois, je pense, que j'avais. Mais là, eux sont vraiment tous complets. Fait que j'ai Smithers, qui vient avec un téléphone, une valise, puis des lunettes. J'ai... Ah, un autre que j'avais. Décidément, je vais en flipper quatre. Puisque quand j'ai acheté ce lot-là, il est en meilleure condition en plus, le frère de Homer Simpson. Quand j'ai acheté ce lot-là, j'avais déjà acheté d'autres figurines, puis le lot était gros, puis les photos étaient un peu floues. Fait que je savais qu'il y avait beaucoup de figurines, beaucoup d'accessoires, mais je savais pas... Fait que j'ai beaucoup d'hommes en complet. J'ai celui-ci, qui vient avec une valise, un petit singe, une autre, un panneau. J'ai... Ah, ça c'est cool. J'ai les enfants de Ned Flanders qui viennent avec un cadre de leur mère puis un petit jeu de société. Donc, j'ai quand même des personnages importants. Puis je voulais finir par un que je voulais absolument. J'aimerais ça tous les avoir, ceux-là. Et j'ai nommé Homer, mais Homer dans la confrérie. Oh. C'est un épisode incroyable, celui-là. Puis il vient avec son chapeau, son espèce de petit tableau des tailleurs de pierre. Son boc. C'est nous. Son petit chapeau et son livre. Fait que voilà. C'était mon petit lot de Simpson, de la Simpson Mania, qui continue. Est-ce que vous aimez les Simpsons? Est-ce que vous écoutez encore les Simpsons? Est-ce que vous avez aimé notre capsule avec Marge Simpson? C'était complètement dingue. Je remercie ma grand-mère. Elle est tellement fine de nous avoir donné du temps. Ça faisait longtemps que je voulais faire cet épisode-là. J'espère que vous avez aimé ça. Oubliez pas de liker, de partager, de répandre la bonne nouvelle comme quoi on aime les jouets, les figurines, les peluches, les films, les cartoons, les Simpsons. Et surtout, n'oubliez pas de collectionner prudemment. Bonne fin de journée, les fous.